Salut tout le monde, c'est Lolomi138. Exceptionnellement, enfin exceptionnellement, non, je pense pas, mais je suis sur le compte Atomic Mr. Lord, donc c'est mon compte de team. Donc on va se retrouver donc pour un nouveau style de gameplay que je vais vous proposer. Ça va être les mercredis live. En tout cas, je vais chercher un autre nom qui aurait quand même un peu plus à la classe. Ça sera le nom, je pense que je donnerai dès que je sortirai. Et en fait, ça sera un live donc que j'essaierai de sortir chaque semaine, le mercredi si possible, de 30 minutes. Pour jouer comme ça, si possible avec des abonnés. Moi, je suis pas contre, en tout cas, si vous voulez, vous pouvez me rajouter. Donc c'est Lolo-1138, mais il n'y a pas de souci. Pour jouer contre vous, avec vous, comme vous voulez, mais il n'y a pas de souci. Je vais jouer avec ces trois classes particulièrement, donc la MSMC avec silencieux garde-main chargeur, oui chargeur rapide pardon, la N94 poignée ergo garde-main silencieux et le FAL poignée ergo chargeur rapide viseur réflexe. Donc si j'ai un peu de temps, trois parties, si j'ai le temps de faire trois parties, je vous fais trois parties avec les trois armes si possible, ça serait sympa je pense. Donc voilà, bah allez c'est parti, sans perdre plus de temps, je vais vous lancer une partie. Voilà. Au niveau des séries d'élimination, j'ai mis drone, aéronef furtif et Lodestar. En espérant au moins débloquer l'aéronef furtif. Même si tout à l'heure j'ai. Enfin. Depuis que je joue tout à l'heure, en tout cas, j'enchaîne. J'ai enchaîné que des Lodestar depuis tout à l'heure et ça m'énerve. Ça m'énerverait de pas réussir dans le live. Mais bon, on va voir ce que ça donne en espérant que. Qu'il n'y ait pas de soucis. Surtout, en fait, j'ai réussi à faire mes Lodestar sur l'autre télé. Là, j'ai changé ma télé donc pour faire les lives et j'espère que ça change pas grand-chose. Enfin, normalement, ça changeait pas tellement que ça, mais bon. En espérant surtout qu'il n'y ait pas de lag, déjà tout le monde. Je suis le seul connard à avoir 3 barres. Excusez-moi d'habiter dans un village pourri, les gars! Sérieux, quoi! Putain, ah non, il y a un autre mec. Big Boom! Ah bah non, il a 5 barres, 3 barres, ouais. Ça, c'est les gens qui ont 5 barres et dès qu'ils ont 3 barres, ils commencent à rager alors que moi j'ai 3 barres tout le temps, t'sais. Voilà, ça commence bien. Un petit headshot, je me prends dans la gueule. Nickel. Bon, allez. Reconcentre-toi, reconcentre-toi. Allez, je suis sûr, il est monté en haut. Putain, même pas. Il a dû aller à B. C'est pas possible. Bah, ouais, c'est bizarre. Normalement, les mecs qui vont là foncent à B. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ah, KG. Ouh. Je crois que le KG est vers B. Bah non, putain, je l'ai pas vu. Attends, c'est insertion. Ok, insertion alliée en plein milieu. Allez, allez, allez. Je sais que tu vas arriver. Bah, pourquoi est-ce qu'il est pas venu? C'est chiant. Non. Putain, je peux réussir à monter, bien sûr. C'est bon. Oh, il m'a pas vu. Non, c'est pas possible. On voit qu'il y a 5 barres. Je sais pas comment il a fait pour. Ah non, d'accord, ok. Ah, j'ai oublié que les murs étaient en carton. Donc j'essaie de vous faire assez souvent ce type de gameplay. Rencontre abonnés, c'est pas vraiment une rencontre, mais. Des jeux avec des abonnés, moi ça me dérange pas. Ça me dérange vraiment pas. J'aimerais bien hein, d'ailleurs rencontrer mes abonnés, moi y'a pas de soucis. Ouais putain la voiture qui va me péter la gueule. Là. Tac. J'ai réussi à avoir un drone au moins déjà dans la partie. Putain, ouais si je crois que j'avais réussi à avoir un drone mais bon. Putain, mais ils avaient déjà fait péter. Ah bon j'avais même pas vu tiens. Putain là, bien là. Oh, il s'est fait allumer. Oulala, ça joue Hamilton. Je sais pas où est le mec avec son Hamilton, mais si je pouvais éviter de le croiser, moi ça me va. Toi, j'aime bien rencontrer des mecs comme ça. Tir rapide le mec il a mis, non mais c'est ignoble.
Oh putain, en tout cas ça m'a bien sévé. Non, 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 tu m'as vu. Oui, il m'a pas vu. Ah, il y a bien un mec qui va aller là. C'est quoi ça? Mais comment ça se fait qu'il y ait personne? J'ai rechargé le MPC, j'ai tout rechargé. Putain, ouais, lui m'a bien vu. Toi, tu vas venir, tu vas venir, tu vas venir. Putain. Ah, voilà. Nickel. Ils ont racheté tout quoi? Non? Pourtant, on dirait que je vois personne. Ok, lui m'a vu. Nickel, 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 nickel. Là, je suis chaud là. Allez, reviens, reviens, reviens. Putain, il revient pas. C'est que s'il dit à son pote que je suis dans la maison, je suis dans la merde. Temps de sauter. Bon, je vais pas jouer au con. Eh bah si, putain, et depuis tout à l'heure, c'est toujours pareil, j'arrive à me faire tuer à un kill de mon aéronef. Toi, tu me mourras pas deux fois. Je ferais peut-être aussi, enfin pas un comment se déplacer dans les cartes, hein. Moi j'aime pas, je vais pas donner mes conseils. Chacun fait comme il le sent, je peux vous aider à mieux vous déplacer. Ceux qui aiment faire du score. Wow, 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 wow. Non, oh putain, j'ai réussi à rater quoi. Non, c'est pas vrai. Je vais nous faire un. Bon, peut-être pas un spot des cartes, hein, mais. Je trouve que ça servirait pas forcément à grand chose. Chacun découvre ses cartes, chacun aime. Enfin, trouve sa façon de jouer et. Adapte comme il le ressent. Moi, personnellement, je trouvais tout seul et ça m'allait assez bien. Sur chaque carte, hein, bien sûr, parce que il y en a certaines qui sont plus difficiles à bouger que d'autres. Et par exemple, moi, Standoff, je l'aime vraiment bien. J'arrive assez bien à tourner dans le spawn allié, ennemi, enfin dans le spawn des ennemis actuellement en tout cas. C'est bon, Mekala ne revient pas. Ok. Peut-être acheter pas de campouse. Si, voilà, une bonne campouse. Allez. On va désamorcer. Non, là bon, hein, grenade, putain, j'en ai ras le cul. Bon, une fois que j'ai l'objectif, je me fais tuer quoi. C'est décidé, j'arrête de jouer objectif. Bon, ça va, 23-8. Un bon score quand même, pour le moment. Si je les contourne. Oh oui, vas-y, vas-y, sors de ton spot. Attends, il est où, il est où, il est où? Allez. Oui. Oui! Je les ai eus. J'ai permis à mon équipe de gagner, c'est bon ça. Oh putain. Putain, j'ai cru que j'allais rater les deux. Triple fille dans le kill cam, alors là, moi ça me voit. Surtout que le mec était. Je sais pas. Enfin. Où est-ce qu'il en était pour poser la bombe, mais. Le temps était bloqué vu qu'il l'avait posé. D'ailleurs, ça c'est, je trouve, un très bon truc de ce Black Ops 2. Là. Quand tu poses la bombe, enfin quand tu vas poser la bombe et qu'il reste plus de temps, bah c'est bon. Ça. Et merde. Enfin, ça redonne un peu de. Ça bloque le temps, ça je trouve sympa et puis ça aide les gens quand même. Quoi. Ah purée, il m'attendait. Lui. Du coup, juste, en tout cas moi, pour donner moi ma façon de jouer devant, enfin dans cette carte, je vais surtout sur B que je suis en attaque. Par contre, quand il s'agit de défendre, moi je reste plutôt vers B aussi, mais je bouge déjà beaucoup moins. Enfin, je comment dire, c'est pas que je bouge beaucoup moins, c'est juste que attendez, j'arrive pas à ramasser cette putain de MP7. Non, c'est bon. J'essaie en fait toujours d'être constant et d'être toujours à peu près au même endroit, d'être toujours à côté de B. Moi je trouve le spot de B un peu cool.
Puis après, bah, quand faut changer, bah, on change. Et on va à un autre spot quand il le faut. Oh, j'ai vu la claymore, le mec il m'a tué, heureusement. Ah, plus c'est le mec que je voulais voir tout à l'heure. Ouais, mais lui avec sa MP7 tir rapide. Ah, par contre, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait énormément de campouses. Ah, oh, MSMC chargeur rapide canon, moi j'aime bien ça. Je vais garder, ça va être marrant. Alors, déjà, où est-ce qu'il est? Voilà, ça c'était obligé qu'il y ait un mec qui passe par là. Là, du coup, je vais me faire repérer par l'autre. Non, même pas. Quoi ça, putain, je sais pas ce qu'il allait mettre lui, mais ça sentait pas bon. En tout cas, j'en ai déjà beaucoup moins, mais c'est bon. Waouh, purée, ça fait une très belle explosion. Bon, même si du 22... Non, c'était du 32. Je sais plus à combien je suis, en tout cas, ça va, je fais pas un score merdique. Si j'arrive pas à débloquer une seule de mes séries. Et B, même si j'aurais galère. Donc, je vais garder la MP7, le temps de traverser là. Bon. Courir là, il va passer. Je sais pas trop où. Oh putain, il m'a volé. Est-ce que j'entends insertion tactique? Wow, vive ma haute sensi. Je vais vite me rebarrer un peu de leur spawn parce que sinon je restais dans la merde. Le mec il va passer. Juste. Même pas. Mais ils sont pas cool! Putain, encore une assistance. Sanguinaire par contre. Ça me sert absolument à rien. Je sais pas du tout comment ils ont fait pour pas me voir. J'ai évité de rester par là. Voilà, c'est bon, j'ai mon aéronef. Je vais l'envoyer dans leur spawn. Qui est par là. Avec un peu de chance de désamorce, ça me laisse un peu de temps. Jamais réussir à désamorcer, putain. Et même mon aéronef a pas le temps d'arriver, quoi. Bon, bah voilà, au moins ça c'est fait. Bon, bah au moins une petite première bonne partie de live. Ça fait 13 minutes que je vous parle, en tout cas, apparemment. Je fais du 42C, ça va, c'est pas. Y'a pire. J'ai failli avoir mon Lodestar là, même si je me fais tuer à la fin, parce que de toute façon, j'étais obligé de bouger un peu plus. Voilà, bah écoutez, bon, pour le moment ça va, moi je suis assez fier de moi. Du coup, deuxième gameplay, j'ai essayé de faire Alain 94. C'est, oui, je sais pas si vous avez vu, c'est marqué AN, non, AR, AN 94, M27. C'est parce que normalement c'est ma classe M27, mais vu que là je l'ai pas encore eu, enfin j'ai géré mes classes en fait, de façon à mettre, mes armes favorites là-dedans. Du coup, ma MP7 et ma PDW dans les deux premiers. Excusez-moi. La Rush 3, c'est pour. Donc, c'est pour les mitraillettes parce que je suis en train de les mettre en carreau. La RM27, c'est parce que normalement, je joue avec la M27. Et là, je mets le FAL. Les défis live, ben, du coup, j'ai mis le pompe pour le moment parce que j'avais pas trop d'autres idées. Le SVU, ça serait pareil. Ça sera... Par contre, ça sera un vrai défi, le SVU. Le Snipe 1.0, c'est l'XPR parce qu'il est. Enfin, c'est. C'est pas un... Enfin, c'est un bon snipe, mais il y a mieux. Même si j'aime bien. Le Ballista, parce que 2.0, parce que je trouve qu'il a la classe, même s'il fait beaucoup de petites marqueurs. Et je préfère le XPR comparé au Ballista. Et le 3.0, le DSR50, que je trouve juste énorme. Ok, d'accord. Toi, va t'acheter un micro. Arrête de gueuler. Fais l'un sur l'autre. Meltdown démolition. Et bah, ok, bah, ça va être super. Je vais essayer de mettre la ligne 94 niveau 17, enfin niveau 17 et du coup niveau max, ça serait cool. Donc avec vous, en espérant bah, que ça marche.
Donc je sais pas trop comment ça va se dérouler et quand est-ce la vidéo elle sera mise en ligne. Mais bah là sachez que je vais vraiment essayer de faire ça assez souvent. Bah tout d'abord parce que j'aime bien, enfin j'aimerais bien. Même si là je fais pas vraiment de défi pour ce premier, c'est vraiment juste du gameplay facile. Enfin facile. Du gameplay là pour mon basique quoi, c'est. Enfin des carnages, pas forcément, je vais faire un 42-16, même si c'est un bon score. C'est pas non plus un gros massacre. Alors là je me fais déjà tirer dessus. Et voilà, purée. Alors là. C'est une team quoi, prophétie. Il y a deux mecs de prophétie, d'accord. C'est pas si une team. Non, toi t'es mort. Ok, le mec a direct posé B. Dis-moi qu'il l'a eu, dis-moi qu'il l'a eu, dis-moi qu'il l'a eu. Non, il a pas eu. Oh, je crois qu'il y a un bug. J'aurais peut-être aussi des tests sorties de cartes. Des sorties de cartes avec mes potes. Je vois, j'ai vu qu'on pouvait en faire sur certaines cartes. Je vais essayer de réussir à les faire avec mes potes. Si possible, parce que bon. On va faire des trucs pas mal, genre des circuits de RCXD en dehors de. Ah, c'est quoi la carte? Merde, je m'en souviens plus. Qui peut être vraiment pas mal à faire en sortie de carte parce qu'il y avait un très très long couloir, on va dire. Une très grande route. Et je trouvais que ça aurait pu être vraiment sympa. Par contre, je sais plus du tout c'est dans quelle carte. J'aimerais bien vous le dire, mais je n'ai plus du tout. Enfin, pas l'idée, mais je me souviens plus du tout d'où est-ce que c'est. Alors je vous préviens, là, ça va être à peu près dans le même style que tout à l'heure là sur je sais plus quelle carte. Tac. Ouais, je vais. C'était dans Nuketown tout à l'heure parce que j'ai fait l'enregistrement audio de Nuketown tout à l'heure, c'est pour ça. Mais vous allez voir, c'est à peu près pareil. Je vais essayer de rester un peu dans ce bâtiment. Là-bas le mec arrive. Voilà. Toi je t'ai vu par contre. Si un mec là-bas, je suis trop dégueu. Là, c'est nickel. Hop, toi, je t'ai bien défoncé comme il faut. Il m'a pas entendu. Yes. Voilà, c'est nickel. Où est-ce qu'il est, le mec? Putain, il s'est barré. Il y a un mec qui arrive, il y a un mec qui arrive, il y a un mec qui arrive. Putain, y'a même pas de mec. Oh, j'ai mort. En tout cas, bah, attendez, non, c'est bon, j'ai cru que ça enregistrait plus. Et j'aurais été dégoûté que ça enregistrait plus, je vous jure. Eh, je suis en haut. En plus, ouais, y'a vraiment un mec qui est passé. Pour en revenir à ce que je disais, y'a Ben qui m'invite, je rejoins à la fin de la partie, je vais lui dire. Protéger les objectifs. Tac. J'écris en speed. Tac. Donc je vais essayer de faire ça assez souvent. Puis bah qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bah déjà j'ai d'autres défis prévus, donc c'est à peu près les mêmes que. Enfin c'est pas à peu près les mêmes, c'est je vais reprendre certains défis de la CSV. Donc je vous cache pas. Par exemple. Eh merde putain, j'ai pas regardé le radar. Par exemple. Bah le l'arsenal spécial qui était un défi sympa. Si je peux le refaire avec d'autres gens de la CSV, moi ça me dérange pas du tout s'ils sont présents parce que là comme j'ai dit dans les autres vidéos, c'est j'attends pas si je donne une date, j'essaie de m'arranger avec tout le monde, voir quand tout le monde est dispo. S'ils sont pas là à ce moment-là, je fais quand même ma vidéo et voilà quoi. C'est vraiment histoire d'enchaîner assez rapidement les vidéos. Ouais, là je pouvais pas faire grand chose. Il y a 3 prophéties ou 2 prophéties? En tout cas, les 2 prophéties, ils gèrent quand même pas trop mal. Je faisais du discage, j'avais mon iron furtif à 1 kill et je le rate à cause d'un prophétie en plus. Bon, en plus, les mecs, ils jouent plus que l'objectif purée, mais. Oh là, c'est pas vrai. Donc, j'essaie de vous faire. J'essaie de vous faire ça très souvent. Avec des fois, peut-être des défis cons, hein, quitte à niquer ma ratio. Moi, ça me dérange pas vraiment. Du style jouer au bouclier d'assaut, des trucs dans le genre, ça va être pour moi, ça je le sens bien. Même pas.
Donc on va voir ce que je peux vous proposer. Je suis en train d'y réfléchir. Putain. Voilà, et ben on s'est fait niquer en 2 secondes la deuxième manche. Même si la première c'était pareil, c'était rapide. Non mais putain, mais le mec lance un grenade au pif, ça arrive à me tomber dessus. En tout cas, bah du coup la dernière partie je vous la ferai. Ouais, ça, je suis déjà à 20 minutes, ça risque de pas durer très très longtemps. Là je vais pas dire campus mais quand même un peu quoi. Il attend vraiment, le mec il protège la bombe mais ça fait vraiment campus quoi. Sinon bah voilà, j'essaie de faire des défis. Là, comme tout à l'heure je vous ai dit que j'allais peut-être faire vous un défi SVU. Pour rigoler comme ça. Enfin, pour rigoler comme ça en plein milieu, non, mais pour changer un peu, histoire que ce soit pas toujours pareil, que ce soit la N, la MP7, la PDW qui reviennent tout le temps. Histoire que ça soit vraiment différent, quoi. Oh, l'enfoiré. Ah, bah, si en plus, il a un arrêt furtif, le mec. Depuis le début de la deuxième manche, je suis pas sûr d'avoir tué un mec. Voilà, en plus, je me fais défoncer au corps à corps, du coup. Et mon équipe, est-ce qu'il se gère un peu? Parce que je crois pas que ça gère beaucoup dans mon équipe en prime. Même si moi, je perds quand même que j'ai pas non plus fait grand chose. J'ai tué 10 mecs et depuis, j'ai rien fait. Ah, c'est quoi ces lags? Non, c'est bon. Allez, allez, allez. Venez avec moi, les gars. Oh, l'aéronef, j'avais oublié le con. Connard d'aéronef. J'ai raté aucune balle en même temps. Oui, Ben, c'est bon. Ouais. Je me prends les balles qui sont pas destinées de l'aéronef. Ah, ça c'est fort, putain. Ah, ouais, bah du coup, eh ben, on s'est fait niquer. Bon, et bah la dernière manche, la dernière partie, pardon. Ça serait avec Madame Bean. Je vais essayer de speeder un coup là du 11-11. Partie très vite, très rapide. Bah déjà big up aux prophéties là, Raz et moi qui m'ont quand même bien niqué. Je crois que les 11 kills, bah ça a été E2. En tout cas, Steel, j'ai vu qu'il m'a tué pas mal de fois. Et je crois que c'est Razmo, je sais pas comment on dit, qui a eu son aéronef. Bien joué les gars, parce que du coup vous avez niqué ma série et vous avez m'empêché de faire mon score en tout cas, parce que sinon vous aurez peut-être pas réussi au moins à poser B, parce que ah, l'aéronef qui ferait pas changer grand chose. Allez, je vais rejoindre Madame Bean. Tac. Juste lui dire de se bouger. Du coup, je sais pas si vous avez vu, bah du coup il y a aussi Vegetto38. Donc ça va être sympa. Je sais pas s'il va mettre son micro. S'il met son micro, je mets le mien et on va. Vous entendrez pas par contre ce qu'il dit. Parce que moi j'ai un micro et pas un casque. Et je pense que ce serait pas mal qu'il lance assez vite, sinon ça va me saouler. Donc là le fal, je vais aussi parler. Bah déjà je vais vous parler en attendant. Ça sera sûrement plus de 30 minutes. Ouais, c'est bon, au moins il a lancé. Ça sera sûrement plus de 30 minutes. Ok, d'accord. Ils ont mis du multi-team. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Du coup, ce sera peut-être plus long, plus rapide, on verra bien. Pour donner déjà mon avis sur les trois armes, même si je vous ai déjà fait un test complet des mitraillettes, des fusils d'assaut et tout ça, j'ai pas forcément parlé en détail des armes. Les pompes, surtout, j'ai fait du détail. Le sniper, j'avais parlé peut-être même quasiment pas du tout. J'ai surtout demandé à Ben son avis et la vidéo était très courte. Donc juste vite fait pour vous donner mon avis sur le FAL. Bah, le FAL avec sélecteur de tir, je pense que c'est peut-être la seule arme que je trouve cheatée du jeu. Même si là je l'ai pas et que bon, bah, c'est pas grave. Hein. Même si moi j'aime bien jouer aussi sans le sélecteur de tir parce qu'il est quand même très puissant sans le sélecteur de tir. Après la N94, bah, elle est aussi pas mal violente aussi la N94. Elle est pas mal, pas mal du tout. Après, tac, allez, on est parti. Hop, du coup, Benjo au snipe. Je sens que je vais être le seul à jouer le point strat. Est-ce que Max doit jouer au snipe aussi, je pense. Le point strat, c'est pas. Le point strat, c'est un nouveau mode dans BO2. Que je trouve aussi un peu sympa quand même. Où est-ce qu'il est arrivé? Ah bah. Non, mais je sais pas trop ce qu'il faut, c'est nickel pour moi. Hop, j'ai mon drone, il me reste 20 secondes. Tenir le point, ça serait cool si on peut le tenir.
éclaireur à terre. Oh, il a eu du cul, lui. Oh, énormément de cul. Bon, en tout cas, c'est pas grave. De toute façon, le point strat, c'est assez rapide à débloquer les séries, je trouve. Ok, Max est chaud, Max est chaud. Oh putain, c'est pas vrai. En deux secondes, il y a toute une des teams de toute l'équipe qui vient de se faire. Lane 94, je pourrais en revenir parce que du coup, je me suis raté d'en parler. Lane 94 aussi, c'est vraiment une bonne arme assez violente et... Par contre, bon, seul point faible, c'est sa cadence. Je vais lui mettre deux balles, normalement, il en faut que deux. Ah, je me fais tirer dessus. Et oh, purée, j'ai pas esquillé. Donc voilà, ça va être surtout à l'improviste que je vais vous faire ces défis, hein, parce que je sais pas quand est-ce que je le fais, quand je le ferai, avec qui. En général, je fais ça vers 4h ou quelque chose dans le genre, et après, bah, on voit quoi, avec qui est dispo, qui est pas dispo. Tac, toi je t'ai eu. Toi je t'ai. Oh, mais ouais, mais en même temps, je sais pas si je joue objectif avec moi, Ben et tout ça. C'est ça qui est chiant. Ils mettent 3 plombes à arriver. Sauf que ça joue drone de brouillard. Drone anti-brouilleur, pardon. Ou drone anti, je sais pas comment on dit. Non, c'est drone de brouillage, tant qu'à faire, c'est pareil. Pour être très souvent qui reste. Je sais pas trop ce qu'on fait. Pas personne, ça me va. Okay. Je le prends pour 2 secondes, ça me fait des points. Oh non! Putain, je me fais chier à choper ce putain de point de merde. Il est où le dernier point? Ah, je savais qu'il y a un mec derrière moi. Par contre, je sais pas le dernier point strat. Ah oui, d'accord, je vois. Ben a encore le point, je crois. Bah oui. C'est le pire de point strat, je crois. Attends, je joue contre un bout de team là, le LVG qui va peut-être s'entraîner pour la ligue. Je peux pas sûr que ce soit eux qui gagnent. Si je pense bien qu'ils gagnent quand même. Ouais, c'est eux qui gagnent. Non, 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 non. C'est bon, voilà. Alors du coup, l'autre point, il est là-bas. Putain. Et ils viennent de faire full équipe. Hein. Les mecs. C'est un truc de fou. Je sais pas ce qu'il a fait lui. C'était pas lui. De faire du multi équipe, mais on joue en point strat et joue quand même au snipe. Il y a des moments pour éviter de jouer au snipe, du coup. Oh merde, on arrive quand même à les tenir terre, à leur tenir tête, pardon, petit à petit, mais je pense que ça va être très tendu. Quand même pas un score de merde encore. 15-9, ça va. Ok. Ouais, toi c'était obligé que t'ailles passer par là. C'est bon. Oh là là, le rage kit. Je sais pas qui est-ce qui a rage kit, je sais pas si c'est les LVG, je crois qu'ils s'appelaient. Si ça revient pas, mais je pense, ouais, c'est bon, c'est revenu.
ce serait pas revenu, je voudrais couper la vidéo là parce que ça fait déjà 30 minutes que je suis avec vous. Ça fait quand même pas mal déjà. Bon, ils vont gérer le point, je vais un peu gérer l'arrivée. Voilà. Attends, il est où, il est où, il est où? Il est où le mec? Ah, il était où? Putain, je l'ai pas vu. Voilà, je le capture pour 2 secondes, on a repris la tête, c'est sympa. Point stratégique verrouillé. Point stratégique menacé. Putain, je savais que je l'arrivais, putain, j'abuse. Il a du bol que je vais du carrière et radar. Point stratégique identifié. L'ennemi a pris le point stratégique. Oh merde, je suis con, je savais que je l'arrivais. Nickel, bon. 134-107. Si on joue bien, on peut gagner, mais ça va être chaud, je pense. Pas pris. Ah, c'est merde, putain, je lâche ma manette à ce moment où t'as un ennemi qui passe. À ce moment, ça se dit pas. Au moment où t'as un ennemi qui passe. Putain, je me fais prendre de tous les côtés. Ouais. Ah, c'est bon, si on a pris le point là, c'est déjà. C'est gagné. Station orbitale ennemie activée. Point stratégique identifié. Oh, le mec il passe à côté de moi. Putain, du coup il y a une micro-station de plomb, je crois. Bah oui, bien sûr. Ouais, là, la micro-station elle peut faire changer le match là. Attention, drone ennemi en approche. Putain, je sais pas. Point stratégique capturé. Drone en attente d'ordre. Ça c'est bon, on a chopé le point. Max, tu coches le point. J'ai réussi à choper le point, juste à temps. Normalement, on va gagner la partie. Ça serait cool. Merde. Eh oui, putain. Ouais, il reste quand même un peu de temps. Putain, je t'avais vu. Oh, peine, c'est de l'autre côté. Nickel. J'ai chopé le point. Du coup, ouais, pas les LVG, mais les autres sont rachetés. Pas beaucoup. Non, oh, ils m'ont pris des deux côtés. Ah, c'est bon, on a gagné. Voilà, bah écoutez, il reste 10 secondes. Je vais vous dire à la prochaine fois. Donc, pour ce défi qui va être récurrent quand même. Toi, t'es mort, toi, t'es mort, toi, t'es mort. Voilà, nickel. Hop, normalement, j'essaierai de vous en faire tous les mercredis en espérant que ça vous plaira. Je sais pas ce que ça. Enfin, je sais pas ce que vous en penserez. N'hésitez pas à donner mon avis avec je pense, une bonne killcam de Max. Même si là, il a fait le premier. Ouais, il a bien joué quand même. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et à la prochaine, les gars. Ciao tout le monde.